Et on se retrouve pour la première game de ce bœuf d'autre Alliance et Team Liquid. Un match très intéressant pour la Dream League saison 6. C'est un match important aussi pour Team Liquid qui est à 2 victoires, 4 défaites. Donc qui commence vraiment pas très bien cette Dream League et que bah, il va falloir gagner ces deux matchs s'ils veulent déjà être dans les 4 premiers. S'ils perdent ces deux matchs, on peut d'ores et déjà dire qu'ils seront éliminés de la Dream League 6. Donc relativement mauvais début de compétition pour Team Liquid. Côté Alliance, on est à 4-0, non, 5-1 pardon, puisqu'on vient de faire 1-1. Donc là aussi, c'est un match important pour, on va dire, s'assurer la première place si besoin. Oula putain, ok, on a des drafts très intéressants, donc il va falloir suivre tout ça. En sachant d'ailleurs que Team Liquid vient de jouer contre Team Secret dans le Face It je sais plus quoi là, et a perdu 2-0. Donc Team Liquid n'est pas sur une pente ascendante. Je suis accompagné par Monsieur Vosgien. On parle rapidement des bans. Sand King Wisp, ouais. Shadow Demon Draw, du basique. Ouais, ça paraît assez classique. L'Elder Titan est sorti de la phase de ban assez nettement. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme gros absent? Non, je crois qu'on a fait le tour. La Myrala qui commence à être un peu passée de mode quand même. Ouais, et du coup, on revient un petit peu. Bah, l'OD est toujours là. Mais maintenant, chaque équipe, c'est petit à petit, en fait, créer ces réponses qu'ils aiment à OD. Alors, est-ce que certaines fonctionnent vraiment bien et d'autres pas du tout? Je sais pas, franchement, on a vu des trucs très bien fonctionner, des trucs ratés magistralement. Le Nyx, c'est une des réponses qu'on a vues. Si on parle d'Impérial, on a bien évidemment le Silencer Solomid qui viendrait en tête. Donc, c'est assez cool de voir les équipes commencer à s'habituer et surtout à encaisser le fait de « Ok, ils vont jouer le héros, nous, on a notre réponse. » Du coup, c'est assez sympa de voir ça en place. Il y a l'Omni qui fait un gros retour aussi. Alors, ça, on s'y attendait pas mal. Je suis étonné quand même, parce qu'il a subi pas mal de nerfs là. Alors, il a subi des nerfs, mais il a surtout subi. Si on parle pas des dernières choses qui lui sont tombées sur la gueule, qui sont plutôt de l'ordre du nerf. Revenons à un truc genre 6 mois en arrière. On disait Omni, c'est super dur à jouer parce que le héros a quasiment aucun impact en phase de ligne, t'as besoin de lui trouver des lignes très stables, c'est un support qui reste très greedy, très dépendant de ses levels, c'est un support qui a vachement du mal à pouvoir s'exprimer en sortie de phase de ligne, et le mec a des cast animations complètement dégueulasses. Et en fait, tous ces problèmes-là ont été un peu réglés. Sauf que les cast animations ont vraiment été améliorées sur le héros. Tous les cast points ont été buffs, notamment le heal assez drastiquement. Maintenant, les lanes, c'est un gros foutoir. Il n'y a plus vraiment de lane stable, il n'y a plus vraiment de lane difficile. Tu n'as plus besoin d'avoir deux supports pour zoner un offlaner pendant 9 minutes. Bref, l'Omni a de la place juste parce que le jeu a vraiment évolué. Et certes, il y a eu les derniers nerfs, mais le héros a toujours été fort et avait juste besoin d'avoir une métagame qui lui permette de s'exprimer, et ça il l'a maintenant, donc c'est plutôt cool. Okay. C'est assez sympa quand même. Moi, enfin ouais, ok. Je suis toujours pas, enfin... Moi j'ai un peu de mal avec le héros aussi, ouais, tu vois, il me convainc toujours pas. Exactement, mais... je suis un peu dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que... Et quand on prend l'analyse plutôt objective du truc, oui il y a toutes les raisons qu'il soit là, mais moi je suis un peu comme toi, je suis pas convaincu pour autant, voilà. En fait, c'est... pour moi ça t'handicape tellement en early game, de par son style de jeu, que voilà, ouais. Enfin bon, bref. On parle de la deuxième phase de ban, qui vient de se terminer. Yep. Beastmaster Void enlevé de la part de Alliance, donc on enlève de l'offlane de Mind Control, notamment, et du côté Team Liquid, on va enlever Juggernaut et Terror Blade, donc on enlève des gros carries. Je suis pas sûr. Enfin, ça enlève pas spécialement des carry porteurs de diffus, surtout. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Voilà, Omni, ouais. Parce qu'il fallait ban, faire des target ban sur l'Oda, on aurait vu le Lifestealer, je pense, notamment, ouais. Virer. Et là, on vire vraiment des porteurs de diffus, pour le coup. Très très bonne remarque. Le Rubik qui va arriver de la part de Team Liquid. Du coup, pour dispel un peu, il reste notamment l'Oracle, qui est un héros intéressant. D'une certaine mesure, la Dusa. Ouais. Mais le pic Ogre Magie va complètement deny cet Oracle. Parce que t'as Disruptor Ogre Magie. Donc t'as déjà tes deux supports. T'as un X-Assassin. Si tu prends Oracle derrière, c'est quand même très très compliqué. Effectivement, t'as la Medusa qui peut arriver. Mais après, contre un OD, j'aime pas trop. Ouais, je suis pas sûr que ce soit idéal non plus. Et puis, tu utilises son ulti pour aller purger un Repel aussi. C'est un peu. Ouais. C'est un peu chelou quand même comme principe.
Et dans les bons carry à diffus, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors Naga, évidemment. Mais le problème de la Naga, c'est que, oh, en fait, t'es rarement là pour aller mettre Il en les coups reste de diffus PL, pendant les hein. fights, quoi. Et un SPL, ouais, Mais qu'on ne c'est voit vrai. plus du tout. Ouais, le héros a beaucoup disparu. Pas exactement pourquoi, mais. Moi, je suis persuadé que là, tu joues un PL face à un Omni, c'est Moi, intéressant, hein. je pense que c'est très bon contre OD aussi. Ah, bon Ouais. voilà, ça c'est une réponse qu'avait Ah, trouvé ça c'est VP intéressant. et qu'avait trouvé aussi. Face à l'Omni? Ouais, ESC. Pourquoi? En mode, bah, et alors notamment côté ESC, Kojima avait fait un vieux build Manta BKB sur son SF, en se laissant la possibilité de faire diffus après. Donc elle arrive assez tard la diffus dans la game. Mais une fois que le SF a Manta BKB diffus, bon, ça embête pas son deal, hein, il n'y a pas de problème avec une Dragon Lance casée entre deux. Et ouais, bah D'accord. pourquoi pas au final. Hein. Ok, bon. Alors je crois que dans Mais la le game de SF, il ESC, il revient. avait eu. Ouais, beaucoup. Dans la game de ESC, il avait pas fait diffus, mais dans la game de VP, il avait fini par la faire. C'est cool que ça revienne, c'est le beau jeu le SF quoi. On a SF et Pudge qui sont en train de revenir en boucle là. Alors, le Lightsealer qui arrive juste derrière, je suis pas du tout fan notamment parce qu'il n'y a toujours pas vraiment de taxi. Donc on va voir en offlane ce qu'il y a. Ok, on va ban le Slardar, il reste du Axe, il reste. Moi je trouve que Il le reste bat. Clockwork. Ouais, il reste Bat, j'avoue qu'il reste Bat. Moi Il j'avoue reste que le sacrément Clockwork, battre. Hein. je le trouve hyper intéressant. Nyx, Disruptor, Ogre Magi, c'est trois héros qui en souffrent beaucoup. Donc voilà, je trouve le Clockwork est juste plus du tout joué. Après, il souffre peut-être pas mal en offlane. Et côté Team Liquid, et ben on va enlever tout simplement un carry. Alors, on peut aussi enlever un carry à diffus, mais il y a déjà le SF. Il manque. Ouais, j'allais dire, il manque peut-être un peu de contrôle, mais bon, on a déjà Ogre Nyx pour du stun avec un disruptor en plus. Ouais, je peux te... Moi, je prendrais un truc massif, tu vois, un truc qui court dedans. Alors, je pense que le Juggernaut était du coup un très bon draft pour ce genre Enlever pour ce carry. Sven à la limite, presque. Tu vois, si t'as pas... Ouais, ok. Ouais. Enlever Sven, mais... Ah, si t'as envie de te protéger, t'enlèves quand même la Naga, parce que les mecs ont quand même une combo de fou en plus par-dessus Ouais, la c'est vrai. Naga au niveau teamfight. Sinon, Pas. PL, hein. Sinon, PL, ouais. Les héros à élu contre des... Alors, NNben, finalement, PL, c'est plus vraiment un héros à élu, quoi. Donc, enfin, c'est un Ouais, héros qui fait des c'est élites assez tellement chelou. vite Hein. que... Voilà. Et qui les perd Ah, c'est... tellement vite aussi. Ursa. Donc... J'aime bien. J'aime bien le ban Ursa. Je pense que, tu Ah vois, bah ça oui, rentre parce que dans le ça, même pour le coup, ordre ça d'idée. porte la diffus, en plus. Exactement. Ça porte la diffus, Ouais. ça mange le lifestealer. C'est un très 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 bon ban de la part de Team Liquid, dont on n'avait pas parlé. Et côté Team Liquid, donc il va manquer un taxi pour Lifestealer ou juste un offlaner qui profite de l'Omni potentiellement. Hein. Franchement, si on fait Omni plus je ne sais pas quoi en offlane, ça peut être très chiant à gérer. On n'a que Disruptor Ogre Magi. Ouais. Il y a Axe que j'aime bien, il y a Bat, je pense, qui est génial. Je pense que Bat, moi je pense que t'as bien vu le coup avec la Bat. Je pense que c'est vraiment intéressant. Après, Omni-Axe, ça peut être très fort, mais tu connais pas le position 1. Hein. Donc, C'est vrai. problème, c'est si tu fais Omni-Axe et que les mecs prennent, je sais pas, un range ou Weaver, par exemple, bah t'as l'air un peu d'un con, quand même. C'est Miracle qui draft chez Liquid. Bah, j'ai bien apprécié un coup. Ouais. C'est une bonne remarque, mais oui, ça a l'air d'être Miracle qui draft. Ok. Je C'est sais pas vrai si c'est lui qui a que. drafté depuis le jour 1 de cette nouvelle Ouais. line-up ou s'il change récemment, donc C'est vrai que pas trop comment réagir. j'ai. C'est qui nous dit ça? 10 seconds remaining. Je sais plus, j'ai perdu. Mais si 5 c'est seconds remaining. Jatrava, machin, tout ça, c'est une très bonne remarque parce que je suis assez étonné que ce soit Miracle qui draft. Et on va prendre un Razor. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir Hein? soit Omni C'est Lifestealer un offlane, lifestealer. soit Omni Razor. Ça semblerait être le Lifestealer. Ce qui est assez étonnant parce que Alliance ne s'est pas du tout équipé contre ce Lifestealer. Donc n'a pas. Enfin, le pick offlane Lifestealer n'a pas forcé des bans, entre guillemets, ou des picks. Ouais. Alors le délire du potentiel Omni Razor offlane, moi je l'aime bien, sauf que encore une fois tu connais pas le position. Hein. Ouais, mais du Par coup, tu exemple peux si, t'adapter, quoi. ouais. Mais par exemple si tu savais que c'était j'en sais rien, moi, bah par exemple si c'était Lifestealer en face comme position, hein, je pense que Omni Razor, tu pourrais y aller sans problème, quoi. Et du coup ça va couper des options à Alliance carrément ça.
C'est un peu ce point d'interrogation sur la phase de ligne et le setup de ligne, ça va couper des options, hein. Et ils vont Ouais. arriver à court de temps, donc il va falloir prendre une décision, messieurs. Ce sera... Bah là, Wow. Weaver, que j'ai call au hasard tout à l'heure, mais alors complètement au hasard. Ça aussi, c'est Sauf un peu si c'est un artifice, héros qui hein. revient beaucoup. Ça, c'est intéressant, Ouais. cette Weaver. Qui se Alors ça trouve pas porte la du tout sur diffus un coup. aussi, potentiellement, Ouais, c'est hein, ça qui est c'est pas mal. intéressant. C'est pas trop mauvais avec diffus. C'est pas le meilleur héros, le meilleur objet à faire, mais ça peut se permettre d'en faire une. Là où je suis assez. Alors du coup, Razor Mind Control. Donc ça va être Razor Reflane. J'ai Ouais, moi je l'impression trouve avec ça le nom. marrant, tiens. Ah, mais alors pour le coup, contre Weaver, j'y crois pas, mais. Tu vois, tu parlais des carrés contre qui Razor était. Enfin, tu vois, à l'aise. Je pense que Weaver, c'est pas forcément le meilleur héros contre qui te aimerais tomber. Ah ouais, non, clairement pas. Mais c'est marrant, ce héros, il revient aussi, on en a vu une solo mid là, C'est vrai? Oh, sympa avant-hier ça. aussi. Ouais, c'était assez rigolo. Il a tenté ça, c'était bah, d'ailleurs contre un OD, c'était Weaver dans une strat draw. Donc le but du jeu c'était, si l'OD banne la Weaver, en fait, droit derrière le ban, il partait Tsukushi plus Geminate plus Swarm, et puis tu vois, il gagnait au trade au final, quoi. C'était assez intéressant. Il a fini par perdre le mid à cause de certains ganks, mais je trouvais que l'idée était bonne. Allez, Ensuite... GM qui va scout tranquillement le petit Omni-Knight. Et donc du coup, Omni-Knight ne va pas pouvoir poser sa ward. Ah, il y en a qui disent Fatal Razor, ouais. Ouais, Fatal Razor, effectivement. Vous avez bien call, les gars. Vous avez bien tout suivi. Donc non, Vous êtes non. vraiment au point, putain. Mind Control au Razor. Pour le moment, j'ai... Alors, il retourne un peu en bas, Mind Control. Je sais pas, Lifestealer, lui, il reste en bas. Hein. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont laisser, ouais, ils vont laisser le Razor en haut du côté Team Liquid. Et du coup, comme t'es Alliance, comment on décide de s'organiser, sachant que le Nyx est pour le moment en haut? Peut faire genre Nyx Ogre en dual. Ouais, j'ai l'impression que ça va être ça et qu'ils vont mettre la Weaver en bas. C'est violent niveau régène HP comme truc, hein. Ouais, Nyx Ogre, ça sert à rien d'Arras, les gars. Ouais, c'est ça. Tu les go ou alors tu laisses tomber, quoi. Ouais, c'est Les ça. viewers, il est maintenant. C'est avant le départ des creeps. Je veux bien que vous me redonniez un petit retour une fois que les creeps sont partis de mon micro in-game parce que mon Dota a crash et des fois quand tu relances, Ouais. ça part en cacahuète. Donc dites-moi au départ des creeps si vous m'entendez parler in-game. Surtout que Merci. moi je m'entends quand t'es en push to talk, enfin quand ton micro est activé, je m'entends sur le TS. Donc Ah ouais? potentiellement il y a de l'écho aussi sur la Dota TV. Mais ils vont me Ah dire. merde. Ouais, bah c'est pas grave ça, ils vont me dire. Au pire, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent sur le stream, comme ça ils nous rapportent de l'argent et sur un bloc, évidemment. Bref. Voilà. Ah, ils vont effectivement faire revenir Azor, j'ai l'impression, non? Oui, Ça va être ça. et ça va être une dual mid pour le moment. OD Rubik, comme on voit beaucoup, contre Ogre SF. Ouais, Kuroki, il est pas hyper content de tomber contre ça. Je pense que vraiment, au clic droit actuellement, la line-up d'Alliance va être beaucoup plus intéressante. Et donc, du coup, en bas, un 1v1 entre Nyx Assassin et Lifestealer. Qui est pas du tout évident à négocier de la part du Nyx Assassin. Typiquement, Lifestealer, c'est un des rares héros qui tape tellement fort et qu'on a rien à foutre de ton armure. Donc. Ah, c'est ça. Nyx est plutôt un bon 1v1 contre C'est mêlée, hein. ça. On a même vu des Nyx gagner contre des BM, alors que le BM est considéré comme étant un des meilleurs 1v1 mêlée quand même. Or, truc à proc, style axe, etc. Mais par contre, contre Lifestealer, je pense que ça se fait massacrer, Ouais, je pense Nyx. aussi. Je pense aussi. Même avec un Poor Man Shield, à mon avis, ça ne change absolument rien. Donc c'est loin d'être évident. Limite, ce qu'il doit faire, c'est de la régène, tu vois. Pour tanker tous les coups d'Arras. Et Ouais. encore, ouais, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Allez, il y a bien joué de la part de l'Omni. C'est qui l'Omni déjà? Eh ben, j'espérais que tu saches et que tu me le cites Attends, au mais bout d'un attends, mais moment. putain, j'ai perdu le nom. Non, mais je vais aller voir, ça m'énerve. Je vais te dire ça. Je vais te dire ça. Le 2, c'est. Bah, c'est Bulba. Bah, ok, c'est Bulba, bah oui. Ah bah oui, Bah oui, oui, bien c'est sûr. le nouveau joueur de Team Liquid, c'est Bulba. Ok. Ok. Ouais, il fait chier à changer de nom. Donc. Pour le moment, le mid, ils l'ont un peu abandonné, les deux supports. Il y a l'ogre magique qui est à l'estac. Pas du tout. Pas du tout. On a rien à foutre d'Alestac qui se baladait un peu dans les bois, je ne sais pourquoi. Kuroki qui va se faire zoner et une régène qui va Y a être. un glimpse, hein? Ouais, je pense qu'il est mort, Ouais. hein, Avec Kuroki. Là, Ignite. tu Oh, peux t'arrêter là et bloquer. Ah non, il tu va t'es pas mal bloquer. Ouais, arrêté. mais. Et ouais, non. Ça change Oh, pas le grand. heal de Oh, l'Omni! quoi que tu veux avec le Ripple? Ouais.
Ok. Du coup, est-ce que c'est Handscan qui est dans la merde? Parce qu'il y a un lift dans 2 secondes. Hein. Ouais, il y a un lift dans 2 secondes. Je suis pas sûr que ça suffise en fait. Si, ça suffit. OGM, il va faire guerrier. Et en plus, on vole les dégâts d'EGM. Donc Handscan. Ah, mais attends, mais là, ils ont un peu merdé. Il peut aller se deny. Ouais, c'est ça. Ils ont un peu merdé le hit and run. C'était chaud. C'était méga chaud. Et du coup, la région est partie dans les mains de l'Omni. Ça, c'est pas cool. Il avait plus de heal et là, il en a. C'est pas cool, merde. Pas assez mal négocié de la part de l'Alliance, mais il n'y a pas de First Blood. Oh, de la part des deux équipes au final, ouais, parce que Liquid a raté aussi son Free First Blood sur Handscan, du coup. Allez, Kuro. Et du coup, bah maintenant, c'est une tri-lane, top. Ça va être une tri-lane aussi, je pense que le disruptor va revenir. Oh, bah, GM, il est pas bien. GM peut venir, il va prendre un arme qui va lui donner pas mal de temps. On va mettre le swarm de la part de l'Oda pour faire des dégâts, notamment à main control. EGM, la dernière attaque qui va pouvoir en passer. Oh, il revient dans le cercle, oh, c'est dommage. Mais par contre, la Weaver qui va récupérer double kill sur son swarm. Peut-être même triple avec lui. Elle va pas au bout. Bon. Non. Ah, trop de CD le Tsukushi, je pense à ce level. Il est encore level 2. Bon, non. Ok, je pensais pas qu'elle allait faire double kill. Du coup, c'est pas du tout rentable pour Team Liquid. Même si le First Blood part sur le Razor, c'est double kill pour la Weaver en solo XP. Hein. Yep. Donc c'est pas bon. Et on sait très bien qu'une Weaver, c'est très fort sur tous ses sorts. Tsukushi niveau 3 permet d'avoir 6 secondes de cooldown. Le Swarm le monté, ça fait aussi extrêmement mal ainsi que la Gemini. Donc, puis surtout, après, t'as un niveau 6 qui permet de trade à l'infini. Bref, pas très bon côté Team Liquid ce trade. Au mid, comment ça se passe? Légère avance pour le SF, visiblement. Toute légère avance. Probablement son support qui a mis un peu plus de pression, l'ogre qui a mis un peu plus de pression que ce que le Rubik mettait. Du coup, il a 2 CS d'avance. Bravo en bas, à lui. Par contre, en bas, bah, 26 contre les 11. Ce qui est logique. Enfin, je pense que pour le coup, Jason Fan, il peut pas faire grand chose de mieux, à mon avis. Ouais, je pense aussi. Allez, à la limite, il aurait pu faire une QB. Et il serait du coup à peut-être un poil plus de CS. Mais. Il a décidé de pas jouer ça comme ça. Il a vraiment accepté le fait qu'il pourrait l'XP sur cette lane, qu'il récupérait ce que le Lifestealer le laisse récupérer, et c'est tout. Et maintenant, faut pas déconner, le Lifestealer, il a Faceboot, il met des patates à 100. C'est pas avec ses 65 de dégâts qu'il va récupérer des last hits. Hein, faut qu'il fasse attention, le Razor, là. Il a bientôt plus les DPS. Ils peuvent le go de cette pile sur le timing, genre maintenant. Mais ils vont pas le go. Ok, bon, j'ai rien dit. Pile sur le timing où, en gros, il perd son DPS et le Static Click est en cooldown. Parce que dès que son stat ligne est up, c'est compliqué à tuer souvent. Ah bah il va tenter maintenant. Ok. Alors il y a un Glimp qui peut arriver sur main control, il va commencer à voler les dégâts maintenant. Sauf que le Glimp du coup peut pas arriver, c'est l'Omni qui va prendre la foudre. Il va mettre un heal, il faut que tu te retournes main control. Parce que le Razor fait mal hein. Mais ouais, il fait hyper mal. Le Glimp qui va arriver, on va se retourner sur Handscan avec l'arrivée de Kuroki et... Ouais bon, ça change rien. Handscan est mort hein. Handscan est irrécupérable. Voice died. Okay. Qu'est-ce qui peut se passer de plus? Est-ce qu'ils peuvent essayer de tuer Mind Control en contre? Qu'est-ce qu'ils ont comme spell à dispo? Alors je pense que Bulba est mort. La Weaver a son ulti hein. Donc avec le stick. Donc je pense que Bulba est mort 100%. Bah donc Loda peut peut-être de nouveau récupérer plein de trucs là-dessus. Je en fait. Pense qu'il récupère aussi Mind Control pour le coup parce que alors attends ça ouais quoique c'est pas dit en fait. Ils vont tous se faire stun sur la télékinésis. Ouais je pense quand même que Loda récupère les deux. Et 2-1. Ouais. Le deuxième m'a l'air bien dans la merde aussi. Ah, mais quoique, il tape à 0 pour le moment, mais Loda. Oui, j'ai pas pensé à ça. Oui. Il tape à 0 à cause du Link. Non, le Tsukushi va permettre de lui récupérer le deuxième. Et maintenant, tu crois qu'il est mort aussi. Hein. Ah, il peut TP. Hein. S'il se débarrasse de l'ogre, il peut TP. Oh, mais OGM, il est trop chaud, mon gars. Ok, il a gagné énormément de temps. Donc, il va essayer de TP. Ah, ça passe. Ouais, ça passe. Ok, donc c'est de nouveau Loda qui s'en est mis plein les fouilles. Ouais. Ouais, ils ont récupéré juste un. Ouais, c'est pas très bon comme trade. Hein. Regardez sur le. Alors, 2 pour 2, certes, hein, mais. Oh, quoique, en termes d'or, ça va en fait. Bon, sauf que. Ah, ça, c'est juste que tout passe sur la Weaver, quoi. Ouais, c'est vrai que tout passe sur la Weaver. Et il y a 400 gold par contre récupéré par le Rubik de Kuroki, donc lui, il est content. Lui, il est content. Main control. Loda, il a pas beaucoup de mana. Faut que tu fasses attention, main control, à pas faire trop le fou. Ils ont enlevé la ward ou elle a dû dépop, j'ai pas dû faire gaffe. Le GM qui va prendre l'info maintenant. Et c'est qui? C'est Bulba qui est en train de revenir avec son Omni. Ceux qui maintiennent, hein, ils rotate pas du tout.
pour le moment. Ils continuent à jouer ça comme ça. La chose qu'ils doivent savoir, c'est que le Knicks, alors il est juste pas 6 quand même. Il commence à prendre pas mal de retard là. Il est pas 6, le Lifestealer est 7. Mais du coup, le Knicks va vouloir rentrer dans la game. Il va d'ailleurs le faire maintenant, sans être 6, et ça va passer. Pas de problème. Et du coup, il passe 6. Ouais, ouais, super. Et c'est la baston en haut, j'ai l'impression. Enfin, Mind Control a envie de faire la baston en tout cas. Il va link Loda. C'est un Tsukushi niveau 4, hein, donc il n'y a pas de souci. Loda qui va accepter de se faire voler tous ses dégâts. Ouais. Je pense que tu aurais pu Tsukushi avant, ça ne te coûtait pas grand chose. Et on va restack pour un scan. On va restack pour venir booster. Ah ouais, il y a même Lim qui fait son stack. Ok, donc là ils vont flash farm. Ah ouais, il y a même un stack en bas. Ok, ils vont flash farm le SF. Alors pas de chance, il y a des golems qu'on pop partout. Mais ils vont quand même le flash farm. Quel est le but pour ce SF selon toi en termes d'objet là en premier objet? Est-ce que c'est Dragonlance? Est-ce que c'est plutôt Dagger en fait pour être agressif? Ça doit être quoi? La Dragonlance ça a l'air de s'être vraiment installé comme étant l'item standard. C'est vraiment en fait le bon objet pour pas te poser la question de qu'est-ce que tu fais en premier. Tu vois, c'est genre la Dragonlance elle est tellement bien en premier item qu'elle va dans tous les types de build SF que tu peux partir sur ça par défaut. Par la suite, moi j'aime bien l'idée du Manta Diffus contre Omni. Okay. Et il lui faudra un BKB un jour ou l'autre, c'est sûr. Mais est-ce que la Shadow Blade a un intérêt ou un intérêt moyen? Est-ce que t'aurais d'autres items? Le changer à chat, non. Je pense que Manta a plus de valeur si tu dois faire Diffus un jour. Putain, s'il y a Rogue Golem qui pop, c'est trop bon. Tu peux avoir des centaures sur le camp là, je sais jamais. Non, c'est bon, des ogres, parfait. Et il va les farm, hein. Il va les farm. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est le Nyx qui récupère le mid. Finalement, je trouve pas ça très intéressant. J'aurais préféré qu'ils soient des supports, mais peu importe. Jonathan Fan qui passe niveau 7, qui récupère un peu de la stick, qui va pouvoir acheter ses arcanes surtout. Donc, il va. Ce serait bien qu'il rentre dans cette game là, définitivement. Ouais, les arcanes qui sont achetées. Alors que Loda, il a envie d'arriver? Non. Non, c'est compliqué. Il était en plus sur. Il est passé sur une tentry. Hein. Donc, il a eu un poil chaud. Et Alliance qui décide juste de jouer très défensif et qui, pendant quelques minutes, décide de perdre ses trois lignes. Ouais. Et on a. Ouh, Loda en haut, il va se faire lift. Il a pris le link, il a pris la heal bomb. Il va être obligé de timelapse et il a plus de dégâts à la sortie de ce timelapse. Ok, c'est tout ce qui va se passer. Et surtout, Alliance alors veut faire rentrer son X dans la game. Ça va être maintenant, visiblement, avec la Vendetta. Mais Alliance doit savoir que d'ici une à deux minutes, il peut y avoir des backups d'un Lifestealer Facebook Armlet qui arrivent. Et ça, il va falloir être d'accord de les encaisser aussi. Parce que lui, il est tout seul depuis 9 minutes. Il n'y a personne qui l'emmerde, personne qui fait quoi que ce soit pour lui, Matumba Man. Il va s'attaquer à la tour pour essayer de forcer la réaction alors qu'on a la Vendetta mid qui est passée. Mais surtout, il y a la smoke derrière, il y a du monde de la part de Team Rocket. Oh, la deuxième risque qui passe pas. Ah non, ils vont pas récupérer Miracle, du coup c'est peut-être Lim qui est en danger. Non, c'est Jonas Amphan qui je pense va exploser, même pas. Ok, et eh bah c'est rentable côté Alliance du coup. Parce qu'il y a une smoke à 4 qui arrive pour rien faire finalement. Oh oui. Et Loda est en free DPS. Loda va faire. Bah, je sais pas quel objet parce qu'il fait tout donc. je sais pas. Et ils font les bulles morphes ces temps-ci avec les Weavers. C'est tu fais la persévérance et tu pars sur Dragonlance derrière. D'accord. Ouais, mais du coup, j'aime vraiment pas la percée quoi. Mais bon. Bah, tous les morphes font ça. C'est pour ça plutôt que Bottle. Et, ouais, moi, j'aime pas du tout non plus la casual percée. Pour moi, c'est trop cher aussi. Je préfère vraiment faire Aquila plus Bottle à la limite. C'est même moins cher. Ça. Bon, ça prend deux slots. Ça travaille pas à ta Linken par la suite. Donc, je comprends l'idée. Hein, mais la percée, la casual percée, elle me fait vraiment mal au cœur, moi, à chaque fois. Ouais. C'est-à-dire que tu retardes beaucoup ton entrée dans la partie parce que t'as mis 1100 gold dans un. Bah, dans un objet qui te permet pas d'entrer dans la teamfight, quoi. Loda, il vient d'avoir l'info. Ah, ok, je suis vu. Oh, putain, c'est la crise. Et du coup, le Nyx qui est en Vendetta, bah, il est aussi au courant. Pour le coup, il aimerait bien attendre un tout petit peu pour avoir son cooldown d'arcane quand il go. C'est-à-dire maintenant. Là, il va pas y aller. Ah, il a une sentry qui l'attend, ouais. Ah, ça, il a trop peur de tomber sur la sentry dès qu'il pop. Et du coup, il va foncer mid, mais sa Vendetta, ouais, elle reste encore un peu, hein. Il y a une sentry aussi, il va être vu maintenant. Ok, le bad qui va arriver, bien joué de la part de Miracle, pas de soucis. Et s'il se fait ban, lui il peut rien y faire. On a vu un très joli display de Nyx. Bah, je me demande d'ailleurs, bah, c'était Jonas Somfan déjà au Nyx contre un OD qui, trois fois dans la game, pigeon l'OD où l'OD met la prison sur un pote du Nyx et le Nyx se pointe en Vendetta et stun l'OD en mettant la carapace en restant à côté de son pote. Vraiment très stylé quoi. Il y a trois fois où il le pigeon comme du ça. Du coup, il set up le stun parfaitement quoi.
Ouais. Ouais, cool. Et on voit beaucoup de enfin on a vu quelques nicks, il y en a très peu qui montent le manhaber maintenant, même niveau 1, tu vois, genre il max quand même beaucoup la carapace. Oh, alors Tout attention, le mana, non nyx, pas? ouais. Enfin le nyx, le Oh, est-ce qu'il sealer fait une surtout. fest? Ouais, il a eu le temps d'une fest. Bien joué. Très bien joué, du coup il a complètement là il est rentré Jonas Homme Fan dans la tour, tout va bien. Ok, bah Alliance qui avait décidé de perdre les trois lignes pour gagner un peu de temps, finalement maintenant qu'il décide de faire quelque chose, bah il trouve pas non plus beaucoup d'ouverture hein. Ce Nyx qui a envie de rentrer dans la partie mais qui trouve aucun setup. Alors attention en bas. Non, c'est juste GM, le repel qui va être posé, pas de soucis. Ouais, puis le Nyx est en train de tomber très très bas en termes de net worth aussi. Hein. Là, il rentre dans le clan des supports en Ouais, termes de net c'est worth, vrai. hein. C'est vrai qu'il faut faire attention. Ça va essayer d'aller sur Kuroki qui est un peu seul. On va louper l'Impain, on va louper le Swarm, du coup on va venir mettre la télékinésis. Et Kuroki qui va réussir à s'en sortir. Bon, on a tout Grâce. loupé, hein. Ouais, on a tout loupé grâce à cette télékinésis. Alors Alliance, dans les games d'avant-hier, ce qu'on avait pu dire d'eux, c'est que c'était, ils avaient été vraiment, enfin, ils avaient eu un adversaire qui était vraiment pas ouf, hein, la DESC qui était très très décevant. Mais Alliance avait été très très propre sur ses plans de jeu, vraiment sur ses timings, des montées de Weigand sur haut, pardon, mid. Ouais, Miracle, il s'est fait j'étais dessus, hein, je massacrer. voulais pas te couper. Ça a été un peu la foire à la saucisse, c'était un peu n'importe quoi. D'accord. Lim qui a loupé son ulti, tout ça, bon bref. Mais il récupère quand même le ki, il était un peu seul, je suis un peu étonné qu'il n'y ait eu aucun TP en fait de la part de l'Omni. L'Omni était déjà en cooldown, je sais pas pourquoi, il a peut-être cancel au mid. Et Kuroki qui va se faire go sur Avandetta, le stun qui arrive juste derrière. Et Alliance qui enchaîne bien, ça y est, ils viennent de débloquer le compteur de kills réellement là, ils viennent de faire 2 kills. Très bon, presque 3 avec Kuroki en bas, et ils vont débloquer la tour, c'est parfait. Ouais, carrément. Oh, quel est leur plan maintenant s'ils veulent essayer de faire de raser toutes les T1 s'ils ont une idée de rush assez tôt avec la Bloodlust, avec la Blightstone, ça pourrait être faisable. Hein. J'ai envie de continuer à essayer de rentabiliser tous ces CD de Vendetta par exemple. Et d'ailleurs, Jonathan Fan, regarde, il a l'air d'armer, ils sont qu'il est derrière. Ah non, tiens, il l'a revendu. Ah, et il vient de revendre son Glove of Haste en fait. Ok, non. Je pense qu'il a posé la question, il dit les gars, je pars Midas. Et les mecs ont dû lui dire non, non. On va avoir besoin de toi. Fais-toi un stuff plutôt. Alors pour le coup, s'il en fait rien, c'est étonnant, mais. Ou alors il va peut-être refaire Midas, il attend juste peut-être de voir un peu le déroulement de la partie, il a le temps. De toute façon, avec 700 gold, il peut rien acheter, donc. Bah il rachète Glove, allez hop, c'est bon. Il attend rien du tout. On a essayé de réfléchir sur un truc qu'on n'aurait pas dû. Voilà, donc il nous dit, c'est bon, je prends Midas en fait. Rien à foutre. Du coup, en termes de corps de gold, on en est où? Alliance vient de repasser devant, mais c'est quand même très très équilibré. Par contre, l'XP est vraiment à leur avantage. Notamment parce que. Ouais, il n'y a pas vraiment de parce que en fait. Il n'y a pas vraiment de parce que. Ouais. Y a pas vraiment de parce que. Par contre, le Shadowfiend, il est très très bien. Mecha sur ouais. le Razor. Ah, intéressant ça. Oh, j'attends avec impatience le prochain achat de Limp en fait. Pas vraiment sur quoi est-ce qu'il part. On va voir. Ah, il a acheté. Qu'est-ce que t'as acheté, Limp? Oh putain, il fait pike en premier. C'est pas Ok. drôle. Ça nous dit rien, quoi. Oh, ok. Bon, il s'est fait découper. Oh oui. Il a pris le marteau. Attention, Limp. Attention, Limp. Ouh, il y a le Tsukushi qui a été volé par Kuroki. Et du coup, il va pouvoir mettre la technique sur Limp. Il va falloir peut-être que tu mettes un ulti. Ouais, bien joué. Il va mettre un ulti défensif pour essayer de gagner dans le temps. Avec. Oh, Matumbaman qui a pas eu le temps de mettre la rage pour essayer de s'en sortir. Kuroki qui est toujours dans le coin, Katsukushi. Et Hansken qui va exploser avec l'arrivée de Matumbaman. Au moins, il a sauvé son SF. Et bah cette fois, c'est Team Liquid qui met la seconde. Attention, par contre, parce que Alliance est en place pour le split push. Un en bas, un en haut. Et Clauda qui arrive sur cette tour. Bon, cela dit, elles sont sacrément full life. Hein. Et on a dessiné, ouais. De la part de Main Control, on va à droite. Et on a. On a envie d'essayer de causer quelque chose mid pour repousser Miracle là, non pas vraiment, on n'arrivera à rien. Miracle qui, je me rappelle plus du tout si on a cité, je me rappelle qu'on a parlé de Midas sur Jonas Homme Fan, mais Midas sur Miracle aussi quoi. D'accord, ok. Et alors moi j'ai défendu corps et âme le Midas sur l'OD pendant longtemps en disant que je trouve que spécialement maintenant c'est un item qui me paraît
très 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 bon. Et d'ailleurs, c'est un OD qui a joué avec un seul level de prison. C'est un OD un peu à l'ancienne, celui de Miracle. Hein. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Alors, du coup, côté Loda, petite Dragon Lance. Et on part sur Linken derrière. On va pouvoir faire des travels. À la suite, je doute que ce soit un autre objet. Et on arrive sur la T2 de la part de l'Alliance avec Klimp qui va clean tout ça sur le Weekend Pike qui est disponible. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces Rush Pike là? Parce que franchement, la progression en Dragon Lance et Pike est. Enfin, tu gagnes l'actif du Force Staff, mais en termes de stats, c'est zéro quoi. Alors, en termes de stats, zéro. Après. Bon, en fait, j'aime beaucoup Hurricane Pike, mais en 3ème, 4ème, quoi. Tu fais le Dragon Lance, tu fais 2-3 objets avant, et puis après, tu le termines. Et là, c'est intéressant, mais sinon... Là, en fait, tu profites ni de l'actif où tu repousses ton adversaire pour le taper, parce que tu fais pas assez mal, ni vraiment... Enfin, tu profites du Force Staff, mais si t'avais des stats, t'aurais pas besoin de te Force Staff, quoi. Ouais, et puis, je trouve que... Tu sais, ça casse un petit peu l'idée de la Dragon Lance. Parce que la Dragon Lance, tu l'as fait parce que c'est un item terriblement cost-effectif. Son prix par rapport au nombre de stats qu'il t'apporte, de stats intéressantes sur un héros agility, range, les stats sont fantastiques. Et en fait, derrière, du coup, tu vas claquer mais quasiment 3K gold pour faire un item dont les stats sont foireuses, quoi. Donc, tu bousilles complètement la première idée du truc, quoi. Allez, en bas, il y a eu, j'ai pas eu un petit kill sur Handscan sur la défense qui a été effectué. Pendant ce temps-là, Alliance va réussir à stabiliser un peu la situation de mine. On a quand même Jonas Somfan qui arrive là, mais il y a des. Oh, bah, joli impale, mais. Ouais, super impale. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Sûr, il y a la carte parce qu'il vient d'être posé, sauf qu'il y a le ripple sur Miracle. Ouais. Miracle qui tape, qui va le 4 shot. Fait voler la carapace aussi, ça peut être sympa pour Kuroki. Ouais, c'est une petite carapace sur une Ray, sur un Ignite. C'est du genre. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que Matumbaman, il est juste là pour protéger les tours. Il a TP à gauche pour la défendre. Et Team Liquid, ils se sentent confiants à 4 pour prendre une tour. Hein. Mm. Alors, faut dire, cet engage de Jonas Omfan était un peu bizarre. Hein, parce qu'il arrive de côté, il est un peu seul. Handscan n'est pas là. Limp non plus. Donc, c'était un peu particulier. Et on part sur cette T2 qui va mourir. Ouais, si ce sera inévitable. Et Jonas Omfan qui a retourné sa veste, hein, qui est quand même reparti dans la direction du Midas. Et c'est la Diffu qui arrive donc il passe. Ah ouais, et il passera pas par la case Yasha, ni Manta, c'est Diffu directement. Putain, ah, t'es souhait. Désolé, merci. Ok, direct Diffu, bah... Ouais, ok. Pas hyper fan, mais... Il va être... il va pas avoir beaucoup de DPS. Mais Oh, il va avoir plein d'agi pour le coup, quand c'est même. C'est vrai, hein, qu'il va avoir pas mal d'agi, ouais. Ouais, il va commencer à avoir plein d'agi. On va voir ce que ça va donner. Allez, Dragon Lance qui vient d'arriver sur cette OD, qui va lui, pour le coup, directement partir sur. Ah, il y a le Lifestealer de Loda ouais. En granit. Évidemment. Oh, c'est pas Loda, mais. Ah, oui, c'est pas Loda, je suis con, putain. Ouais. C'est Loda qui nous c'est avait Tomba fait Man. Ça en premier, putain, qu'est-ce que c'était nul. Souviens-toi ouais. De cette game. Ah ouais, c'était ridicule. Mais Tombaman, là, il a le petit trio du jeu mange des gens sur Lifestealer. Là, il a Désolator, Echo, Sabre, Armlet. Il bouffe des gens. Il va voir le petit Jonas Omfan. Alors maintenant, c'est difficile de surprendre quelqu'un quand t'as un golem de 14 mètres de haut. Ouais, c'est ça, ouais. C'est dégueulasse. Et pourtant Oh lol. Et attends, pour du coup, bah, il va falloir racheter TP, hein. Ouais. Est-ce qu'ils ont quelque chose qui l'empêche de faire ça? Non, rien du tout. Non. Non, ils peuvent rien faire contre HTP. Ça dit, il va le décès. Oh non. Il y avait une sentry de la veille dans la sentry. Et surtout, regarde le temps qu'il gagne, ses potes font rush en l'attendant, quoi. C'est... Le mec, trop il a gagné tout chaud, le temps Matumbaman. De la planète. Trop ah, chaud. Il va pouvoir se remettre dans un ancien là. Là, il est heureux. Allez hop, c'est parti. Ceci dit, ça, mon gars, c'est l'ancien avec la Frenzy. Et la Frenzy sur l'OD ouais, Ripple, c'est violent. Ça déconne zéro quand même. Je sais pas à quel point ça fonctionne avec Ripple. Je pense que si tu mets. Oh bah non, bah EGM a dû. Oh. Oh. Je pense que si tu le mets après le Ripple, ça marche. À ouais, mon avis. Peut-être. Ouais. Le mec, tu reprends des lézards quoi. Enfin, des mecs en lézards quoi. C'est genre, c'est une blague. Allez, la Aegis a été posée sur Miracle en attendant. Radiant's top tower is under attack.
pense qu'on a pas mal retourné la situation dans les graphes, ouais, notamment l'XP qui est bien reparti en faveur de Team Liquid là-dessus, et le gold qui était légèrement en leur faveur, on n'a fait que confirmer la chose. Team Liquid qui est en jolie petite position là. Mais il est complètement cassé, Moubot. Qu'est-ce qu'il raconte là? Tu viens de marquer IOM, Moubot. Qui c'est qui contrôle Moubot là? Il vient d'écrire GLFTV Juna. Ouais, sauf qu'il est pas sub alors ça marche pas. Attends, y a un gangbang dans les bois ouais, là. Y a Limp. C'est Limp qui est pas bien du tout. Et du coup, on peut peut-être aller au mid en même temps. Ouais, attends, il va mettre son ulti Limp. Non, c'est bon, tout va bien. Il va juste devoir se heal l'Omni. C'est fait. Et Limp va mourir sur le coup de Allez, le coup de l'Omni. En attendant, Kuroki a récupéré un kill au mid. Ouais, alors ils ont Quantum récupéré Batman. Un kill et c'est pas fini. Hein. Ça, c'est vraiment le moment de force du Lifestealer. Hein. Ce héros est pas si fort que ça en late game. Alors maintenant, dans la game, avec ce trio d'items là, on va dire 18 par là autour avec des os et Kossar Armlet, mais t'es le roi du monde. Hein. T'es le putain de roi du monde. Là, toute son équipe va gentiment le rejoindre mid. On a la Aegis sur l'OD. En bas, on a une vague réponse au Ripple, mais pas si bien que ça. Ça sent bon le side pour Team Liquid. Mal à voir comment est-ce qu'Alliance peut mettre un truc en place suffisamment vite pour arrêter la squad Radiant là-dessus. Et effectivement, la Rex Melee va tomber. Allez, on a un petit peu de présence. Alors, il y a Camis de la part de Loda qui n'aura pas le temps de timelapse. Bon. C'est un somme fan. Ah bah oui, le Ripple. Eh mais il peut vraiment rien faire là. Allez, Matumba Man. On va aller finir la Rex tranquillement. Et on repart en ayant encore la Aegis dans les pattes, sans un brin de danger ou de doute. Honnêtement, tu sais, à un moment, Alliance accélère dans la partie. Tu dis, ils sont hyper bien. Et en fait, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu le début de partie où Team Liquid souffre. Team Alliance est bien. Puis Team Alliance décide de farmer, donc Team Liquid revient. Puis Alliance décide, ok, on va bouger, donc ils vont tuer. Donc ils sont bien, et enfin Team Liquid décide ok, bon bah maintenant c'est à nous de jouer. Et maintenant c'est eux qui sont bien, et je sais pas trop qu'est-ce que Alliance attend pour réagir. Quel est l'objet en particulier qu'ils vont attendre? Je pense qu'il va leur falloir un BKB. Putain mais Amdoum Baman, je suis désolé, j'ai encore loupé le kill. C'est un golem en plus qui se balade. Mais Loda ne sert absolument à rien avec sa Linken. Il fait approximativement 0 de dégâts. C'est un peu infâme. Et Matoum Baman, mais il est... Oh le DPS quoi, mais il est dans la base, mais il s'en fout complet quoi. Il y a une gemme, ah, attention, il en a rien à carrer. Attention, il va falloir le... Ok, on va le ban, tout va bien, Loda qui va être... Courage à la sortie. Ouais. Courage, ouais. On va stun par contre l'Odé, Matumbaman, qui va mourir. Il n'y a pas eu le heal, et il n'y a pas eu d'ulti non plus. Là, il va falloir que tu le mettes, voilà, l'ulti qui va arriver, Loda qui va devoir mettre l'ulti lui aussi pour revenir en termes de points de vie. Et de mana, et Loda qui se fait un peu démonter sur le bas. C'est Kuroki qui est obligé de reculer, mais c'est Loda qui va mourir en premier sur la gauche de la frontale avec son X. Limpel qui a un tout petit peu loupé le fateball pour récupérer kill. L'ulti de la part de Limp, un gros et le hammer qui arrive de la part de Lodé. Ultra kill de Miracle. Potentiellement, c'est le Rampage qui va arriver. La télékinésis qui est directement posée. Rampage, non. Le quoi deny. Il le deny au fateball. L'enculé de Kuroki quoi. Kuroki was left. J'ai envie de le all chat là. J'ai moi aussi j'ai envie de le all chat. Oh, ça se fait tellement pas. C'est le deny volontaire quoi. Oh, ça se fait tellement pas. Le mec est lift quoi. Il peut rien faire. Et non, tu viens le zapper. Oh, je suis vénère là. Ah, moi aussi. J'aime plus les Allemands du coup. Tous des Hitler. Allez, l'ogre magique est tombé. Un petit glimpse, mais on va pouvoir ban pour donner du temps à Kuro. Tuez-le! Mais tuez-le! Oh, ils vont même pas le tuer. Yes. Ils ont perdu leur chic. Ils ont perdu l'Aegis aussi. On y va du côté Alliance. On n'a pas envie de laisser ces messieurs de Liquid s'en sortir. Gratos, allez, un petit ban défensif. Loda, il a essayé de traverser la fight, mais ce Razor en fait bien. Fait le taf. Hein. Ouais, ce Razor fait vraiment le taf.
J'y croyais pas, mais il fait vraiment le taf. Alors là, on va. L'Oda, il gagne pas mal de temps. Et il perd pas mal de points de vie. Il va mourir, récupéré par le rasoir. Et on attend. Là, il y a Miracle, il garde la fontaine. Ouais, hein. Ouais. Il va se self-ban. Ah, là, il a son Ricard Pike. Hein. Oh, ah, l'Omni sauve-le. On a perdu. Et par contre, derrière, il y a Matumaman qui vient pour découper tout le monde. Il y a l'ulti de Lim qui va revenir. Oh, c'est dommage. Ça aurait été intéressant de force off Matumaman plutôt. Et oui, il s'amuse depuis 10 minutes dans la base adverse. Hein. Oh, la chaîne. La chaîne. Ouais. Ouais, c'est bon. Il y a Mind Control qui est tué. Il y a Matumaman qui. Qui va mais trichote Jonas Omphan alors que Mind Control lui n'y arrive même pas, à terminer le kill et Jonas Omphan il va s'en sortir. Non, allez le glimpse et Matumbaman qui est bloqué et du coup Lim qui peut taper du haut de sa fontaine tout tranquillement, mais il sent rien Matumbaman, mais c'est vraiment trop débile. Il y a un petit toggle d'armette à faire voilà. Bien joué. C'est bien essayé de la part de Hanskin qui avait timé son Thunderstrike pour essayer de l'avoir au moment du toggle. Mais il y a Jonas Omphan, mais il l'a stun. Il l'a stun sur la carapace, le putain de Jonas Omphan, il va être contrôle qui va probablement mourir. Il va perdre derrière. La gemme. Hein. Oh, c'est Nawak, putain, les gars. Il a un stick. Et la gemme qui est tombée. Et ils annoncent pas le GG parce qu'il y a la T2 encore en haut. Alors que Kuroki est dans le coin. Oh, Kuroki, il a Aga en fait. D'accord. Ah, du coup, il met des ignites de partout là. Ouais. Ça marche ou pas? Ouais, ça marche. Ah, ça marche. Du coup, il met des ignites de partout. Et alors, non, il peut pas multicast. Mais par contre, l'ignite est en. Ouais, l'ignite, t'as le gros AOE de partout là. C'est ça. L'OD, est-ce qu'il a terminé quelque chose? Il a rien terminé, l'OD? C'est bizarre ça. Ouais, mais il y a plein de gens qui ont. Payback avant, je crois. Ah, oui, mais c'est quand même. Il a dagger, l'OD, qui est dans le chicken en fait. J'aurais été à mon côté Alliance quand même qu'on l'avait avec. C'est juste que le chicken est mort. Ah oui, bah c'est ça qu'il y avait dedans, ouais. On a eu 2250, bah ouais, c'est une dagger, évidemment. Il y a dagger plus hyperstone en plus, quand même. Hein. Il déconne pas des masses. Ah ouais, il va taper. Hein. Alors, en termes de camp, ça donne quoi? Ça donne 20 000 et ils viennent de redonner 5 000. Donc, Team Liquid en faisant un AWAC, qui sont. Voilà. Lulu vient t'expliquer. De quoi Lulu vient t'expliquer? Parce qu'il a demandé à Headball si tu faisais des petites gâteries dans ta vie. Ah ouais. Bah non, tu demandes à Moubot si il me suce. Bah Moubot me suce, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je sais pas qui a mis ses réponses dans le Headball là, mais c'est très marrant. Je sais pas non plus. Honnêtement, je soupçonne grandement Yu-Yu de cette fête. Ouais, j'allais dire, il faut plus laisser Yu-Yu à partir de 3h du mat. Ouais, je soupçonne Yu-Yu. Je vais mettre une deadline. Ou alors, c'est peut-être Marsu. Ah, c'est possible que ce soit Marsu, parce que Marsu aussi y a accès. Et il est bien du genre à faire des trucs débiles comme ça. Peut-être effectivement Marsu. J'ai lancé le timer de Safari, nous dit Thibaut. Non, c'est pas trop 102, les mecs sont tranquilles quand même. On va les faire Roro, deuxième du nom. Doomatumaman. Ah bah maintenant c'est un Dark Troll Summoner, d'accord. Ouais, Headball il veut pas me dire qui c'est. Donc le Dark Troll qui scoute, hein, tout va bien. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont perdu la gemme, putain, c'est qui? Ah ouais, c'est l'ogre qui l'a. Il a perdu la gemme de Bulba. Et son X avec sa thune, il a fait à Etervant. C'est un peu con, mais il a fait à Etervant. Ouais. Pas trop fan. Non, pas trop non plus. Et ils vont comme des guerriers là. C'est parti. Ils vont pas prendre la T2, ils vont faire la guerre mid tout de suite. Il y a un Leafs qui arrive sur l'Imp. Oh, par contre, il y a eu un très très joli ulti de la part de Hanskin. Mais il y a le rappel pour venir sauver Matumbaman. Il y a l'ulti Omni pour venir sauver Matumbaman. On n'arrivera pas à sauver qui que ce soit des griffes de ce Lifeslayer. En attendant, Mind Control a été récupéré au loin le Nyx Assassin. Et on est de nouveau bien installé dans la base d'ailleurs. Il reste Loda sur la droite, il reste l'Imp un peu en haut. Mais je pense que ça va être compliqué. On fonce sur les T4, quoique Miracle il. Il fait un bling un peu offensif et la Vendetta qui est posée sur le disrupteur de la part de Kuroki qui a été volé en skin qui va exploser. C'est toujours pas fait si
Si, c'est fait grâce au heal de l'Omnia Pressadagger, Main Control qui vient acheter son BKB et qui va perdre la moitié de ses points de vie juste pour ça. Et Miracle qui a envie de s'amuser, sauf qu'il va se faire diffus. Il est en train de se faire défoncer, il va prendre le Ripple qui lui aussi va mourir. Et Team Liquid qui est quand même très très fort dans les throws et dans le Safari. Il farme l'Intel, Miracle, il farme l'Intel là, regarde, il voit monter. Là il attend juste de pouvoir one shot des gens. Ah non mais non mais tu perds ton Intel Super Aegis, c'est débile ça. Oh bah t'as ruiné tout ton jeu Miracle. Et l'outil, il a pas ouais, fait grand bah, chose ouais, bah, du coup, et Lim qui va mourir, pas du tout CGM. Même pas, quoique personne va mourir. Même oh, quoique Matumba Man. Oh l'arme là de Toggle au milieu des creeps. Et il va tout shot. Et là oh l'arme de Toggle ouais. Encore Matumba Man, trop chaud. Oh bah ouais. Ah bah ouais, bah c'est moins chaud de Toggle avec l'Ignite sur la gueule. Ouais, là c'est moins chaud. Et le GG annoncé de la part de l'Alliance. Team Liquid gagne cette première game. Très sympathique. Ouais, c'est une game assez sympa. Il y a eu ce moment un petit peu d'étonnement face à la passivité d'Alliance qui avait l'air, comme tu l'as dit, d'accepter de prendre un peu la sauce 2 secondes pour revenir derrière avec quelque chose de concret et un plan. Visiblement, il y a quelque chose qui a empêché ce plan de se mettre en place, et ça a très vite snowball en faveur de Liquid quand même, qui a pu enchaîner sortie de phase de lane, rush, push de high ground, et c'était fini à peu de choses près. Ouais. C'est vraiment emballé vite pour Liquid. Ça s'est emballé vite. Je pense quand même que Alliance a complètement loupé le coche parce que on peut le regarder sur les courbes, mais pour moi Alliance est devant et à un moment ils décident de stop. Tu sais, genre à un moment, genre il y a le niveau 6 du Nyx qui arrive. Ils mettent un peu de temps à trouver des kills, mais là ils en trouvent. Ils prennent des tours, ils trade bien et puis après ils s'arrêtent. Alors à ce moment-là, il y a aussi le méca du Razor qui arrive, c'est un peu compliqué, mais je trouve il y a rien qui est mis en place. L'Oda il a absolument aucun stuff avec sa Weaver, il fait peur personne. Le Nyx, il part Midas, du coup, il peut pas être dangereux sur la carte. Et en fait, il joue même pas le jeu du split. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Il devait attendre un certain timing. Tu sais, pour moi, c'est vraiment une situation de... En fait, tu te dis, ok, bah on prend le temps et dans 5 minutes, on fait tel truc. Et en fait, le problème, c'est que 3 minutes plus tard, c'est l'adversaire qui a pris l'initiative et qui a pris la game en main. Ouais. Et tout d'un coup, t'as plus le temps d'aller mettre les choses en place, quoi. C'est... Le mecha est arrivé quand le mecha assez tôt sur le Razor. 14 minutes 30, ouais. J'avoue, c'est chiant. Un mecha aussi rapidement, surtout qu'en même temps, à 16 minutes, il y a l'éco-sabre. Du coup, ils ont leurs deux objets importants quoi, pour rentrer vraiment dans la partie. Il y avait l'armelette aussi hein, qui était arrivé juste avant. Donc là, il rentre à partir de ce moment-là. Et en face, qu'est-ce qu'on sort à ce moment-là? On sort Dragon Lance et on sort le Glove of S de Jason Fan. Et l'ultimate orb de Loda. Donc on a vraiment pas grand chose armé. On a l'Hurricane Pike aussi qui arrive sur, en même temps pour le SF. Ouais, je pense qu'on avait un plan là-dessus sur genre la Linken de Loda qui arrive aux alentours de la 17ème plus la Pike qui était là à ce moment-là. Tu sais, avec un poil plus de farm sur le SF, t'as la diffus même à ce moment-là parce ouais. Qu'ils sont à la 20ème la diffus au final. Donc, Ouais. Et là, t'as un timing à jouer. Mais en fait, le problème, c'est que voilà, en fait, on a pris les devants 2 minutes plus tôt côté liquide. Mais. Ouais, alors il y a le Désolator aussi à la 20ème, ouais, avec Dragon Lance. Mais tu vois, ça sort un Midas sur le Nyx, en même temps qu'il y a diffus, et du coup, ils se font complètement prendre de vitesse, quoi. Et le Nyx, il sort plus rien après son Midas, hein. Ouais, il a sorti son Aetherlands de la fin de game, là, de quand t'as perdu deux sides, ouais. Tu fais une Aetherlands. Pas trop d'impact, quoi. Bon, bah du coup, petite page de pub, on se retrouve juste après pour la prochaine game 1-0 pour Team Liquid. À toutes.